7 août 1914, René Viviani, président du Conseil, exhorte les femmes à prendre la relève de leurs maris dans les travaux agricoles. Debout donc, femmes françaises, remplacez sur le champ de travail ceux qui sont sur le champ de bataille. La guerre envoie en première ligne les paysans et leurs femmes se retrouvent à la tête d'exploitation. Jean-Baptiste Tournassou, reporter militaire, met en scène le rapport bucolique à la terre et les valeurs patriotiques de la France. Les femmes assurent le quotidien de la culture des champs. Elles dirigent les exploitations aux limites du surmenage et de l'épuisement. Hier et aujourd'hui, je peux à peine me mouvoir. Le bas des reins me fait mal aussi. Je ne puis absolument rien lever. Même quand un seau ou une marmite est vide, par moments j'en crierai. Froment, orge et avoine, tout doit être coupé à temps pour ensuite préparer les gerbes pour battre à la machine. Certaines femmes ont des membres sectionnés par la faucheuse ou autres outils étant inadaptés à leur corps. Les travaux agricoles exigent une grande force physique puisque les chevaux sont réquisitionnés. D'ailleurs, ces réquisitions rendent hostiles les paysans. La guerre là-bas, les fils et les maris pris, puis tout le reste, le blé, les chevaux et les porcs. Jusqu'où faudra-t-il aller et jusqu'à quand ? Certaines femmes reçoivent des mauvais coups de la part de vieux bœufs placides, abrutis de servitude. Ils deviennent espiègles, se mettent tout à coup à batifoler et refusent de se laisser enjuguer au moment où l'on veut les délier. Ils secouent la tête de toute leur force, en voyant le joug danser au loin. Une pauvre servante eut de la sorte la tempe fracassée. Aux travaux agricoles variés et à la gestion du personnel s'ajoutent les tâches domestiques. Les femmes assurent donc le quotidien de la ferme et gardent ainsi le foyer familial en activité. Le savoir-faire artisanal, transmis depuis des générations de paysans, est maintenu. Mais l'attente, l'inquiétude obsèdent les jours et les nuits des femmes. L'irrégularité du courrier provoque la peur, peur de la mort, peur de la censure. C'est malgré tout à travers ces lettres que les femmes et familles maintiennent le lien avec les absents. Grâce à elles, la distance entre les hommes et leurs familles est abolie. Comme le dit Blaise Cendrars, les lettres sont donc plus importantes que la soupe.
Combien doivent être terribles ces batailles? Que de deuil ils se préparent. Les blessés reviennent en nombre au village. Et c'est sur le seuil de la porte que l'inquiétude se fait entendre. La femme guette, attend le moindre signe à l'horizon, le retour de son mari, le retour de son fils. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre, heureux les épis mûrs et les blés moissonnés.